Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique, une émission politique spéciale puisque j'ai trois invités en plateau. Tout d'abord, Jocelyne Virolan, qui est élue de la ville du Gosier, elle est élue communautaire à la CARL, donc elle est donc élue de l'opposition au sein de cette ville du Gosier. De l'autre côté du plateau, nous avons Madame Sophie Perroumal, qui, elle, est élue aussi, mais à Saint-François, élue de l'opposition, et élue à la CARL, donc en tant qu'élue communautaire, et Valérie Hugues pour la commune de Sainte-Anne, élue de la majorité à Sainte-Anne, et aussi, bien sûr, élue communautaire. Donc, vous l'aurez compris, nous parlerons de la CARL ce soir, puisque vous avez eu à entendre Cédric Cornet, le président de la CARL, sur ce plateau même et aussi sur d'autres médias. Ce soir, nous avons des élus qui vont nous parler de ce qui se passe à la CARL et de leur intention aussi, puisque, comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un groupe au sein de la CARL, un groupe qui s'appelle une majorité d'élus de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, l'UME CARL. Mesdames, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons tout d'abord de l'UME CARL, puisqu'il faut planter le décor et puis vous pouvez bien sûr vous compléter sur les différentes questions. L'UME CARL a été créée à l'initiative de qui? Alors, au départ, qui a souhaité créer ce groupe? Tu commences, vas-y, Jocelyne. J'y vais. Comme vous le voulez. Oui, oui, c'est. Donc, Jocelyne, l'UME a été créée exactement le 21 septembre, avec 21 élus. Suite à un 2021. Suite à un constat que nous avons fait, hein, le constat, il est là, où nous nous sommes rendus compte que, évidemment, en tenant compte de ce que nous avons dénoncé sur le courrier que nous avons adressé au président, nous avons constaté donc un certain nombre de dysfonctionnements, au niveau de la CARL, et nous lui avons adressé ce communiqué qui disait très clairement que nous dénoncions la dérive d'un pouvoir autoritaire et solitaire. Donc, c'est vrai que depuis un an, nous ne cessons d'interpeller le président. Quand vous dites « nous », on parle de vous en tant qu'opposant, on parle aussi d'élus de la majorité. Quand vous dites « nous », est-ce que c'est ciblé opposition? Alors, au départ, c'était « nous sommes de l'opposition ». Nous avons été conduits en quelque part, parce que nous devons quand même dire qu'au sein d'une communauté d'agglo, il ne devrait pas y avoir d'opposition et de majorité. Mais dès le 15 juillet, lors de l'élection du président, il a très clairement démontré et nous a mis en position d'opposition au sein de la CARL. Donc, les 18 élus qui ont été effectivement reconnus comme étant des opposants, se sont donc manifestés pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an et demi, nous avons dénoncé les dérives, les abus, les dysfonctionnements d'un président et de sa majorité, puisque, bon, sa majorité était là pour voter quand même, pour soutenir les différentes décisions qu'il prenait. Donc, pendant cette année et demie, nous avons effectivement dénoncé, nous avons alerté et nous n'avons pas été entendus. À partir du 21 septembre, ces interpellations sont allées quand même jusqu'à sa majorité. Et trois élus de sa majorité nous ont rejoints et nous avons formé donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'UME. C'est un petit peu, pour reprendre ce que dit ma collègue, c'est un peu une officialisation au mois de septembre 2021. Mais c'est vrai que nous sommes conseillères communautaires et sur les 22, les autres aussi, nous faisons un travail. C'est-à-dire que le président nous a mis dans l'opposition de fait, on s'est retrouvés dans l'opposition, alors que nous, à partir du moment, nous sommes démocrates. Dans ce groupe de 22, nous respectons la démocratie. À partir du moment où le président a été élu, nous, on était une force de proposition. Certainement pas une force d'opposition. Alors peut-être la minorité, mais une force de proposition. Et nous avons fait des propositions. Nous avons assisté aux commissions auxquelles on voulait bien nous inviter. On a toujours été force de proposition. Puis à des moments donnés, il y a des choses qui n'allaient pas.
On a commencé à dénoncer. On a commencé notamment, alors la première chose qu'on a dénoncée, c'est la tenue des conseils communautaires. Parce qu'on assiste quand même à des conseils communautaires où les élus n'ont pas la parole. Il y en a la moitié qui ne parlent pas, qui Pourquoi ne disent pas un mot. Pourquoi? Donc, ça, je ne sais pas. C'est à eux qu'il faudrait demander. Donc, la première fois, moi, on a entendu pour la première fois des voix au dernier conseil communautaire. Et puis, d'autres élus, dont moi, dont Madame Viroland, mais on n'est pas que toutes les deux, hein, où on posait des questions pour comprendre le PPI, pour dénoncer des incohérences du PPI. Et on était moqués, on était raillés, on avait des micros coupés. Quand on est passé en visioconférence, donc là, c'est micro coupé. Parce que quand on vous coupe un micro en salle de conférence, vous pouvez appuyer, rallumer. Puis si vous avez du coffre, bon, bah, vous dites quand même ce que vous voulez. Mais dès que vous passez en mode visioconférence, tous les micros sont coupés. Donc ça veut dire que si vous voulez intervenir, si on ne vous donne pas la parole, vous ne pouvez pas. Il y a des gens, des élus qui ont voulu intervenir avant des votes, micro coupé, ils n'ont pas pu intervenir et le président lance le vote. Donc c'est vraiment une atteinte à la démocratie. Alors nous sommes démocrates, il a été élu, d'accord. Nous sommes démocrates, il a été élu, mais nous aussi, nous avons été élus. Nous sommes élus démocratiquement. Et à partir du moment où on exclut 18, 19, 20, 21, 22, et puis bientôt 23, 24, il faut bien le dire, hein, qu'on les exclut, mais c'est M. Cornet qui porte atteinte à la démocratie, parce que nous sommes élus. Nous ne sommes pas arrivés là par hasard, et nous avons des voix à représenter. C'est-à-dire que chaque conseiller communautaire a des voix qui se sont portées sur lui, alors qu'il est de la minorité, de la majorité. Le conseil communautaire n'a pas à tenir compte de ça. Et moi, j'en veux pour preuve l'ancien conseil communautaire. Vous aviez des élus de Gosier, minorité, majorité, des élus de Sainte-Anne. Quand nous étions élus de Sainte-Anne, parce que moi, je suis conseillère communautaire depuis 2014, les élus de la minorité, hein, je dis bien entre guillemets, ben, ils siégeaient avec nous et on était d'accord et on échangeait et on était d'accord sur les positions. Voilà, donc en fait, quelque part, il n'a pas l'esprit communautaire. Donc en fait, il y a 4 communes dans cette communauté d'agglo. Donc Sainte-Anne, okay. Saint-François-Désirade et Gosier. Mmh. Mais en fait, son fonctionnement est un fonctionnement antidémocratique. Donc je rejoins mes collègues où nous participons donc aux commissions, nous sommes présents lors des conseils communautaires, mmh. mais c'est son fonctionnement, c'est-à-dire que la manière de gouverner qui pose problème pour nous à la communauté. Alors, sa manière de gouverner avec la minorité, c'est bien cela ou sa manière de gouverner tout court? Tout court. N'ayons pas peur des mots, sa façon de gouverner tout court. Alors, et puis on va essayer de cheminer ensemble et de comprendre, parce que c'est vrai que cette population de la CAL a besoin de comprendre et quelquefois n'a pas toutes les réponses. Au niveau... là pour ça, Madame Boissy. C'est le rôle des élus. C'est aujourd'hui, c'est ce que nous sommes venus faire, c'est expliquer à la population et singulièrement à la population de la CAL les raisons aujourd'hui qui nous poussent à prendre ses décisions et à demander effectivement que M. Cornet quitte la fonction de président. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Madame Valérie Hugues, que de toute façon, c'est sa manière de fonctionner tout court avec tout le monde qui ne passe pas. Expliquez-moi pourquoi, au niveau de la CAR, il y a donc 4 maires. Les 2 autres maires, bon, j'enlève M. Cornet puisqu'il s'agit de lui, M. Baptiste aussi parce qu'il s'est longuement exprimé sur le problème de la CAL. Quelle est la voix des 2 autres maires? Parce que quand on parle de dysfonctionnement, normalement, on touche tout le monde. Absolument. Donc. Alors, votre question, elle a une certaine pertinence, bien sûr, mais une communauté d'agglo n'est pas faite de maires. Il faut savoir qu'elle est faite de conseillers communautaires, et en l'occurrence 41 conseillers communautaires, dont 4 sont maires. Mais ce ne sont pas les maires qui dirigent, ce ne sont pas les maires tous les conseillers communautaires sont égaux, c'est une voix. Le maire n'a pas plus de voix qu'un conseiller municipal. Alors ça, je le sais bien. Vous le savez, mais je le sais bien. La population a tendance à l'oublier parce qu'on met toujours en avant les maires, on parle toujours... Alors par contre, il existe une instance où les 4 maires doivent se réunir. Et c'est obligatoire à partir du moment où un des maires d'une des communes n'est pas représenté au bureau, ce qui est le cas, puisque M. Baptiste n'est pas au bureau du conseil communautaire. Il y a une conférence des maires qui doit se tenir à minima, je crois que c'est 2 fois par an. C'est à minima.
mais dans une communauté d'agglo qui fonctionne, la conférence des maires doit avoir lieu tous les mois, avec des dossiers, avec évidemment des sujets à aborder. Et puis après, ça va orienter la politique. Chaque maire va revenir vers son groupe en disant, bon, ben voilà où on en est. Et puis ensuite, va y avoir ce projet communautaire qui est maintenant... Alors, j'aimerais y revenir, et je persiste et je signe sur les maires, parce que les maires ont quand même à charge, avec l'équipe, mais le maire, c'est quand même la tête... en termes de système, en termes de structure, c'est la tête quand même, le maire, c'est lui qui porte. Oui, c'est lui qui porte, on va dire, sa commune. Et il est là pour, à mon sens, l'intérêt de sa population. Il est garant de l'intérêt de sa population. Alors, c'est très bien que vous dites ça, parce que c'est exactement, enfin mes collègues rebondiront, hein, bien sûr, c'est exactement ce qu'on reproche à M. Cornet. Alors, on reviendra sur M. Cornet tout à l'heure. Je vous explique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'esprit communautaire, c'est que quand vous êtes conseiller municipal, vous défendez votre commune, vous montez des projets. Évidemment, le maire, c'est vraiment celui qui... De toute façon, c'est lui qui est responsable, hein, donc c'est vraiment... c'est pas... Et puis, vous avez des outils, vous avez des instances, et vous avez notamment la CARL, la Com d'Aglo, qui va vous aider, qui va vous accompagner. Ou alors, vous allez même être force de proposition pour la communauté d'Aglo. Mais une fois que le maire est dans son habit de conseiller communautaire, les 41 conseillers communautaires ne représentent pas leur commune, mais représentent l'intérêt communautaire. Je vais vous dire un exemple très simple. Désirade est victime de double insularité. Désirade a des problématiques liées aux sargasses, liées à l'eau, que les trois autres communes... Ça veut dire que si moi, je reste Sainte-Anaise, et s'il y a trop de dépenses pour Désirade, je vais dire, oh ben non, franchement, là, proportionnellement, Désirade, on dépense beaucoup, alors que Sainte-Anne, il y a plus d'habitants. Erreur. Si vous raisonnez comme ça, vous faites une erreur grave. C'est-à-dire que la Désirade, avec sa double insularité, pardon, doit bénéficier de l'aide et de l'esprit communautaire. Donc c'est alors, vraiment je sors de tout cela, je pense que ça, on le sait bien, on sait bien. Je persiste et je signe, permettez que je puisse encore reformuler ma question. Il y a quatre maires, d'accord, et les quatre maires étaient voués à être président de cette CARL, d'ailleurs. L'un, ça aurait pu être M. Baptiste. Ça aurait pu être Monsieur Tonton, ça aurait pu être... Ou Madame Boisset, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être vous, éventuellement, mais pour l'instant... Madame, je ne me suis pas présentée, mais... Pour l'instant, ce sont les maires, quand on regarde sur toutes les communautés, ce sont des maires qui sont à la tête, n'est-ce pas? Alors, en Guadeloupe, je vous l'accorde, mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas dans la alors, loi. Alors, je reviens sur la Guadeloupe. En Guadeloupe, ce sont les maires qui sont à la tête des communautés. On va s'arrêter sur cela. Maintenant, je pense qu'il faut quand même éclairer cette population. Une population regarde, malheureusement, hein, à son maire ou heureusement. Oui, et puis, c'est vrai que c'est une liste qui est élue, mais... on regarde toujours la tête, c'est-à-dire le maire. Et j'aimerais bien que vous puissiez me répondre sur la posture des deux autres maires. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien? Bah, le mieux, c'est de leur poser la question, voilà, moi, je pense. Hein. C'est-à-dire que les inviter, nous, on est... pour qu'ils puissent déjà... Normalement, il y a une conférence des maires. On appelle conférence des maires à la CARL. Normalement, ils se réunissent pour échanger. Donc, il faut voir avec les deux quelle est leur position. Ils sont dans la majorité avec le président Cornet. Ah oui, voilà. Donc, ils ont quand même voté. Tout à fait. Ils ont quand même ils voté. Suivent, absolument. D'accord. Donc, d'accord. Ce sont des vice-présidents. Ce sont. Et ce que nous avons regretté, s'il y avait l'esprit communautaire, quand on a élu le président, M. Baptiste est maire, il aurait pu avoir une vice-présidence. Et s'il ne voulait pas de vice-présidence, il aurait pu proposer à une de ces personnes dans sa majorité pour être vice-président. Ben, et donc, on aurait eu l'esprit communautaire et vraiment avoir sur les quatre communes et à la CARL. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'à la CARL, c'est une communauté d'agglo pour mutualiser. Oui. Et donc mettre ensemble ses forces pour pouvoir rayonner sur l'ensemble du territoire. C'est ça l'esprit de départ. Cette Anne aurait dû être, en tout cas au bureau.
Oui, au bureau. S'il n'y avait pas de vice-présidence, ça on aurait pu le comprendre, mais Sainte-Anne aurait dû être au bureau. Et Sainte-Anne a été écartée. Pourquoi? Donc Sainte-Anne, pourquoi? Écoutez, il faut poser la question au président. Nous on est venu pour parler de l'UMCAL, on est venu pour vraiment expliciter les dysfonctionnements, la gestion autoritaire. Enfin, vous êtes quand même venu pour répondre à mes questions. Oui, mais excusez-moi, si madame Valérie. Non, mais si vos questions, c'est pour parler des autres, moi je suis très embêtée, je ne peux pas parler pour M. Cornet, pour M. Tonton, pour M. Pancrel. Je pose les questions, et puis, si vous ne voulez pas y répondre, on va continuer. Ah, j'y réponds volontiers. Mais écoutez, j'ai un conducteur, j'aimerais bien le respecter pour arriver justement à l'UME, et la population demande à comprendre. Tout à fait. Et je pense qu'il y a certaines questions qui méritent réponse. Merci. Donc voilà, donc on a vu que bon, il y a une majorité, une minorité, en tout cas, il y a un maire qui s'est positionné et qui justement a dit non au fonctionnement de la CAL. Maintenant, alors, ce n'est pas, il faut qu'on insiste, ce n'est pas un maire qui s'est positionné. C'est 22 élus aujourd'hui qui se sont positionnés, dont 18 qui étaient de l'opposition, rejoints par 4 élus de la majorité. Et qui aujourd'hui une majorité. Voilà, et qui forment une majorité. Ce n'est pas le maire. Et il faut bien comprendre ça. Le maire n'est pas le chef des 22. Voilà. C'est-à-dire que nous avons notre mot à dire, nous nous organisons. La preuve, ce n'est pas le maire qui est là, c'est nous. Oui. Donc c'est nous représentons justement cette majorité. On représente dans, et puis dans la communication, absolument. C'est vrai qu'il y a un affrontement entre Cornet et Baptiste. Enfin non, il y a Cornet qui veut un affrontement. Merci, quand même de le dire. Oui, oui, oui. Merci de le dire, on est en vérité. Tout à fait. Donc, mais ce n'est c'est pas ça du tout. Nous sommes 22 élus. Et 22 élus communautaires, nous réfléchissons ensemble, nous discutons, nous prenons les décisions ensemble, nous analysons ensemble. Donc vous n'êtes pas dans une guerre de personnes, c'est ce que vous essayez de dire. Non, nous ne sommes pas du tout dans une guerre de personnes. Nous sommes en politique, nous défendons des idées, nous combattons des idées, mais certainement pas des hommes. Et nous sommes là pour notre population, donc la population de la CARL. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. Alors, vous avez eu à intervenir sur le fonctionnement, bien sûr, de la CARL et sur la dynamique impulsée par le président. Alors, vous avez dit inconséquent, vous avez dit une gestion calamiteuse. Alors, que reprochez-vous concrètement à cette majorité de la CARL? Que reprochez-vous? Quand vous dites inconséquent, quand vous dites tout ça. Alors, au départ, mes collègues vous ont dit qu'il y avait des dysfonctionnements. Et nous, on va plus loin encore, il y a falsification de documents. Et preuve à l'appui, Madame Boisset. Je suis arrivée avec la page 7 du budget qui nous a été présenté. Et quand on voit que le budget primitif, les montants ont été falsifiés, ça, c'est très grave et ça peut aller très loin. Donc, nous disons que le président Cornet, il utilise des mensonges pour faire passer certaines informations auprès de la population. Et nous avons beaucoup d'éléments qui montrent qu'il ment. Donnez-nous quelques exemples. Alors, déjà, sur le budget. Ensuite, vous avez une ligne encore, des lignes budgétaires qui apparaissent, où il y a des montants qui sont au départ prévus dans le budget primitif et qui sont modifiés. Alors, je vais prendre un exemple très simple, c'est le montant concernant les emplois. Il nous a présenté un budget supplémentaire avec 700 000 euros de nouvelles propositions. C'est normal. Dans un budget supplémentaire, on propose de nouvelles, des propositions nouvelles, donc de nouveaux montants. C'est normal. C'était 650 000 ou 700 000? Non, je suis sur les 700 000. D'accord. Et les 700 000 correspondaient à des embauches pour des non-titulaires. Et puis après, ils nous présentent à nouveau un deuxième budget, et on voit que les deux apparaissent dans le budget primitif. Ça veut dire que quelque part, il a falsifié le budget. Donc ces montants-là, c'est illégal. Il a un comportement illégal. Donc il faut qu'il nous disons que il y a d'autres éléments encore. Je vais prendre un autre exemple qui était pour le syndicat mixte, le SMO, SMGA. Il avait prévu donc dans le budget primitif 1 250 000 euros.
Et après, il nous présente un autre budget avec 1 850 000 euros. Ça veut dire que quelque part, il nous présente des chiffres qui sont des chiffres qui sont qui ne sont pas, qui ne représentent pas la réalité et qui sont insincères. Il a modifié le budget primitif. Dans un budget primitif, vous avez 1 250 000 euros. Ça passe pas, il refait un conseil communautaire, il représente des documents et on voit budget primitif 1 850 000 euros. Voilà. On n'a pas le droit de modifier un budget primitif. On fait une colonne suivante où on rajoute modification, nouvelles propositions, etc. Mais on n'a pas le droit de modifier une colonne d'un budget primitif. C'est quelque chose qui est voté par les élus, qui fait force de loi, qui est passé au contrôle de légalité. Donc, alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est de la falsification ? Nous sommes ni juges, ni psychologues, ni rien du tout. Mais en tout cas, nous savons que c'est illégal. Voilà. Ça, c'est quelque chose de... C'est insincère, c'est illégal. Les raisons qui ont conduit à ça, moi, je n'y réponds pas. Et je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre ici. Mais c'est grave. Mais c'est très grave. Quand vous mettez 700 000 euros que vous affectez, donc au budget supplémentaire, 700 000 euros pour des contractuels. Déjà, si vous prenez 700 000 euros divisé par le nombre de contractuels, ça veut dire que les contractuels ont en moyenne, pour le mois de novembre-décembre, des salaires à 10 000 euros. Il faut faire des calculs. Donc, ça ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, au budget supplémentaire suivant, lors du deuxième conseil communautaire, là, les 700 000 euros sont affectés aux salaires. Mais ce n'est pas possible, puisque les salaires sont toujours prévus en amont dans le budget primitif. Le salaire des titulaires, il va de janvier à décembre. On sait qu'il y a les avancements de carrière, on sait que c'est des calculs très compliqués. C'est vraiment un travail de ressources humaines, donc très fin, ça c'est normal. Mais en tout cas, ce budget, il est prévu. Si pour vos titulaires, vous devez rajouter 700 000 euros, il y a un souci. Il y a un très, très gros souci budgétaire. Donc nous, notre rôle en tant qu'élus, c'est d'alerter la population, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. C'est pour dire, nous, on veut vous dire, attention, il y a de graves problèmes à la Carle, il y a de graves problèmes budgétaires. Et Jocelyne va sans doute continuer avec les problèmes de dépenses. Alors, la population semble qu'il y a dilapidation aussi de l'argent public. Attention. Dilapidation. Des exemples. Ah ben oui, mais on vient de vous les donner là. Non, donc c'est ce que vous appelez dilapidation. On va abonder. Le reproche essentiel qu'on fait à M. Cornet, c'est son opacité dans la gestion. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, en tout cas, les élus communautaires, nous avons du mal à cerner ce que fait M. Cornet avec l'argent public. Nous n'avons pas d'informations. Quand nous recevons les documents pour les conseils communautaires, nous les recevons déjà très tard. Les conseils communautaires, ils respectent exactement la loi, c'est-à-dire qu'il a 5 jours francs, il nous envoie les documents 5 jours francs, et pendant ce temps, nous n'avons pas forcément le temps d'analyser. Bon. Alors, j'aimerais quand même revenir, puisque il faut, puis on va arriver à cet impôt corné, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de remous autour de cette question. Quand vous dites la gestion de M. Cornet, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté sur le fonctionnement de la Carle. Alors, est-ce qu'on parle de la gestion de M. Cornet ou de la gestion de la majorité de la Carle? Alors oui, c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure. Donc, parce que là, il faut vraiment qu'on soit au fait de tout cela. Qu'on parle beaucoup de M. Cornet, on est bien d'accord, puisque c'est lui le président, c'est lui qui intervient, c'est lui qui est le seul à parler, sauf la dernière fois, lors du dernier conseil communautaire, où on a vu des personnes qui n'ont jamais parlé depuis un an prendre la parole pour sauver le soldat Cornet, ou pour sauver très certainement leur poste, parce que je doute que ça soit autrement. Mais nous avons quand même 18 autres conseillers communautaires qui votent comme un seul homme tout ce qu'il fait, d'accord. Donc eux aussi, ils sont quelque part complices de tout ça, ils sont responsables de toute cette gestion opaque. Et pour vraiment illustrer cette gestion opaque, nous avons retrouvé sur le net, madame, nous sommes quand même des conseillers communautaires, Monsieur Cornet, c'est le président, je dis Monsieur Cornet, c'est le président, lance trois appels d'offres qui n'est personne ne sait à la Carle d'où ça sort, à part ceux qui l'ont évidemment écrit. Un appel d'offres de 1 125 000 euros pour des véhicules. 1 125 000 euros. Alors que la Carle, c'est une jeune institution qui a eu à acheter, à faire l'acquisition de véhicules. Donc, c'est un parc quand même relativement neuf. Là, nous avons 17 véhicules pour 1 125 000 euros.
on a calculé 70 000 euros achat de véhicules et entretien. Donc, auto, 70 000 euros pour chaque véhicule. Je ne sais pas quel véhicule. Nous ne savons pas quel. Dont un. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Dont un, 170 000 euros. Pour qui ce véhicule? Mais justement, on ne sait pas. Nous n'avons aucune information. Aucune information. Nous avons retrouvé ça sur le net. C'est nous qui menons l'enquête. D'accord. Deuxième chose. Un appel d'offres de 1 million 125 000 euros, d'accord, pareil, pour du gardiennage gardiennage, oui, voilà, service de gardiennage pour les bâtiments de la CARL. Nous n'avons qu'un seul bâtiment. Bah oui, sauf si vous savez, nous n'avons qu'un seul bâtiment à la CARL. 1 million pour une année, 1 million 125 000 euros de gardiennage et pour des manifestations. C'est excessif. Et la population. J'ai un ami qui a une entreprise d'événementiel, d'accord. Il me dit, j'ai dépensé 40 000 euros pour l'année. Et c'est une entreprise d'événementiel, donc qui fait que ça. D'accord. Et là, nous avons pour 125 000, alors c'est 1 125 000, gardiennage et manifestations, pour les manifestations. Et le pompon. Nous ne sommes pas au courant en tant que conseillère communautaire. C'est pas au conseil que c'est nous qui sommes tombés sur les appels d'offres. Mais ça n'a pas été étudié en conseil communautaire, voilà. Ça n'a pas été voté, ça n'a pas été budgétisé. Mais le plus grave, 20 millions de travaux, un appel d'offres pour 20 millions de travaux, pour quel bâtiment? On ne sait pas. J'ai interpellé des conseillers communautaires pour leur demander de quoi il s'agit, mais personne. Personne n'est au courant? Ben, écoutez, moi j'ai interpellé l'un d'entre eux, je ne vais pas citer le nom, mais quand même un éminent conseiller communautaire, qui n'était pas au courant. La commission, visiblement, de travaux n'est pas au courant. Mais quand même, 20 millions de travaux pour un bâtiment. Non, mais vous voyez bien que ces chiffres sont énormes. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez aborder la question des impôts. Mais avant d'aborder les impôts, c'est bien qu'on puisse dire ça. Parce que, est-ce que vous, quand on parle de dilapidation, c'est énorme. Ce sont des chiffres colossaux. 1 250 000, 1 125 000, 20 millions qui sont adossés à un emprunt. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il y a des gens Vraie question, c'est surtout... Pourquoi faire ces véhicules? Pour qui est-ce que vous avez posé la question? Quels sont ces travaux? Le gardiennage, est-ce que c'est H24? Enfin, des questions. Mais même le gardiennage, moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans le gardiennage. Garder les bâtiments. Alors oui, il y a un peu de gardiennage. Chaque mairie, je sais quand même, il faut faire attention, vandalisme. Enfin, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Attention. Mais faire surveiller les conseils communautaires, avoir autant de dépenses sur les manifestations, sur les bâtiments, ça, c'est très révélateur. Moi, je le dis, et là, ça n'engage peut-être que moi, mais c'est très révélateur de la conception de M. Cornet, de sa relation aux autres et à la politique. Il est en train de s'enfermer dans une forteresse. Parce qu'il sait qu'il a des opposants. Il sait qu'il y a ce comité, ce collectif contre les impôts. Il pense que sa vie est en danger. Il vous l'a dit. Et je pense qu'il s'est créé un univers. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il est menteur. Il est falsificateur. Mais moi, j'utilise un autre terme. Il est manipulateur. Parce qu'il crée une espèce de climat anxiogène autour de lui. Il vous a dit que Christian Baptiste l'avait menacé de le tuer quand même. Il vous a dit ça à l'émission. Moi, j'étais téléspectatrice ce jour-là. Et là, je me suis dit, mais il se passe quelque chose. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne poserai aucun diagnostic, je m'en garderai bien. Mais il est en train de créer une forteresse. Il est en train de créer une milice privée autour des conseils communautaires. Et il manipule, parce qu'il n'est pas menacé du tout. Puis je ne vois pas notre maire, que je connais quand même un peu depuis quelques années. Si on peut reprocher des choses à M. Christian Baptiste, je pense que les menaces de mort, l'agressivité, c'est quelque chose dont il est totalement dépourvu. Donc on lui reprocherait même des fois, nous les conseillers municipaux, on dit allez, sois un peu plus... Mais M. Baptiste, est vraiment, c'est la douceur incarnée. Franchement, ce n'est pas quelqu'un qui se met en colère, qui menace. Donc quand M. Cornet dit ça, parce que c'est lui qui veut instaurer son combat de coq finalement, puisque M. Baptiste n'est pas dedans, il n'est pas dans même. Donc, mais lui, il est tout seul à faire son combat de coq. Et s'il dit qu'il est menacé, et s'il dit qu'il est en danger, et qu'il y a plein de gens qui le menacent, ça justifie la mise en place de ce rempart. Et à un moment donné, ce dictateur sera inatteignable. Et moi, je pense qu'on a trouvé notre Trump guadeloupéen.
On a notre propre... Ah, vous allez jusque-là ? Je vais jusque-là. On n'a plus à aller chercher le biscuit de l'américain qui est meilleur. Ah, pas du tout. Nous avons notre Trump national. Donc on peut être fiers, on a réussi à fabriquer notre Trump. Et donc la forteresse qu'il est en train de mettre en place, elle est grave. Pourquoi ? Parce qu'elle va éloigner la CARL des habitants. Et elle est profondément antidémocratique. Moi, je pense qu'il y a carrément une menace profondément antidémocratique, en plus des falsifications budgétaires, en plus des dépenses inconsidérées. Enfin, voilà, je trouve que ce gardiennage est tout à fait révélateur de l'enfermement qu'il est en train de mettre en place autour de lui. Et c'est dramatique, et c'est dramatique. Et c'est même dramatique pour lui, d'ailleurs. Ouais. Maintenant, parlons de ces impôts, hein, les impôts, impôts cornés. Alors, c'est vrai qu'on a vu des remous. Un petit peu plus, je dirais, sur la commune du Gosier. Il y a une raison à cela. Et puis, un petit peu à Saint-François, peut-être. Pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore reçu. Un peu à Sainte-Anne, voilà. Parce qu'il y a eu la création de collectif aussi à Sainte-Anne. Le collectif... Il y a eu un collectif de Maudette qui était d'ailleurs... pour M. Cornet, donc il y en a un autre qui aussi est contre. Ou alors le collectif qui est pour M. Cornet n'existe pas du tout. C'est plutôt ça. Ce collectif de Maudette. Le collectif de Maudette pour M. Cornet, il n'existe pas. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je sais que Sophie veut dire quelque chose, mais on est encore dans une manipulation. Voilà, manipulation. C'est le manipulateur, mais enfin vraiment, c'est notre Trump. Moi, je le maintiens, c'est notre Trump Cornet. Alors, Cornet a dit qu'il y avait un collectif pro-Cornet à Maudette. Alors, tout le monde croit. Et par contre, les habitants de Maudette nous envoient les messages genre, ah non, non, pas du tout, on n'est pas au courant, on n'a jamais dit ça, on n'est pas dans le collectif. Parce que nous, on va à Maudette dans notre politique municipale. Hein, et nous, on n'est pas là pour parler de politique municipale. Mais cette manipulation, elle a eu lieu devant vos yeux d'ailleurs. Le 13, on a un conseil communautaire où on ne vote pas, le 13 décembre, où le budget n'est pas voté. À 22h30, il envoie un message mail à tous les agents, ce qui ne se fait pas, hein, parce qu'ils ont le droit à la déconnexion. Le monde du travail ne permet pas qu'on contacte les agents à toute heure de la nuit et du jour. Hein. Le lendemain, il les fait réunir à 8h. Il leur annonce qu'ils ne seront pas payés. Dans la foulée, qu'ils seront au chômage technique. Alors que tout le monde sait que le chômage technique n'existe pas dans la fonction publique territoriale. Enfin bref, que donc ils seront mis au service minimum et qu'ils ne seront pas payés, etc. À 16h, il annonce que finalement, il a trouvé une solution, qu'ils seront payés. Et c'est vrai que les gens entendent ça et du coup, ils se disent « Ah bah oui, quand même, les 22, là, c'est pas cool pour Noël. Mais nous, on a la preuve et on peut vous la donner. » Monsieur Cornet a écrit au préfet pour avoir une solution début décembre. Ah, j'ai plus la date en tête. On a aussi la lettre du préfet sur cette affaire. Et donc, le 14, il répond en disant « Mes services, paragraphe 2, hein, vous ont expliqué comment procéder hors délibération au paiement. » Voilà, donc il y a toute l'explication de comment payer. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je sais bien que Monsieur Cornet a voulu nous faire porter le poids de salaires non payés pour Noël, parce que c'est dramatique pour des familles. Il a d'ailleurs lancé un appel, vous a lancé un appel. Surtout dans le contexte sanitaire dans lequel on est. On l'a entendu. Mmh. Dans le contexte sanitaire, on a des gens qui ont perdu leur boulot aussi. En plus, l'autre membre de la famille, hein, le père ou la mère, n'ont pas de revenus à Noël. Ça veut dire que cette fête familiale, ça veut dire que les cadeaux, les enfants, ça a vraiment une charge émotionnelle énorme. Mais on sait maintenant, et on a la preuve maintenant, que c'est faux. Il a les moyens de payer les salaires de tous ses agents en temps et en heure depuis novembre. Et le préfet lui a confirmé la marche à suivre et qu'il pouvait prendre cette mesure hors délibération. Donc c'est quand même un grand manipulateur. Et alors, bon, à la limite, on s'en remet. Mais les agents, excusez-moi, les agents, ils ont eu peur. Les agents, ils ont stressé. Mais c'est pas normal. Alors, vous vouliez réagir, Madame Perron. Oui, une petite concernant les impôts. Et c'est, effectivement, il y a une petite mobilisation à Saint-François, mais parce que nous n'avons pas encore reçu à Saint-François notre feuille d'impôt de la taxe foncière. Donc, c'est pour ça. Et donc, le Gosier s'est fortement mobilisé. Et d'ailleurs, nous avons. Donc, il faut dire déjà que cet impôt qu'ils appellent l'impôt Cornet est un impôt scélérat. Cette augmentation, vraiment, passée de 0,625 à 8,625,
C'est intolérable. Alors, pensez à ces familles, parce que vous savez que dans notre communauté d'agglo, nous avons des petits propriétaires qui sont propriétaires par héritage et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer cette augmentation d'impôts. Alors, Monsieur Corny dit que de toute façon, il y a eu une rencontre préalable où les élus étaient d'accord pour cette augmentation. Et quand il s'agit de passer au vote, de se rencontrer pour passer au vote, mais les élus ne sont pas venus, donc n'ont pas pu voter. Mais au préalable, il y avait un accord de principe sur l'augmentation des impôts et c'était une anticipation sur la, par rapport à l'avenir. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons participé, nous, ces élus, à pratiquement toutes les commissions. Et je ne sais pas si Mme Viroland ou Mme Hugues a vu passer cette augmentation d'impôts présentée dans une commission. Moi, je ne l'ai pas vue. Et c'est en allant, c'est après, il a fait un conseil communautaire à la Désirade pour faire valider. Et si vous regardez la délibération de ce conseil communautaire, même les élus de Saint-François, de sa majorité, semble-t-il, se seraient abstenus. Donc c'est que quelque part en amont, est-ce que ces élus de cette majorité ont vraiment réfléchi, ont vraiment analysé les conséquences de cette augmentation d'impôts? Alors, monsieur, quand on a dit que nous étions d'accord, depuis le 13 janvier, quand nous avons reçu, parce que je vous dis tout à l'heure, nous recevons les convocations 5 jours avant. Donc nous avons très peu de temps pour réagir. Le 13 janvier, nous avons transmis à M. Cornet notre position sur cette affaire-là et qui disait très clairement que nous étions contre cette augmentation d'impôts. Et deuxièmement, nous n'étions pas d'accord pour aller voter à Désirade, pour plusieurs raisons. Nous sommes quand même des salariés. C'était un vendredi, un vendredi matin. Madame Hugues, elle est enseignante. Nous avions personnellement, je lui ai dit, moi, je souffre du mal de mer, donc moi, je ne pouvais pas être présente. Donc, nous étions très peu nombreux à pouvoir être présents lors de ce conseil. Mais Monsieur Cornet, il a évoqué des problèmes techniques parce qu'on pouvait effectivement faire la conférence en visio. Non pas que nous ayons rien contre Désirade, mais c'est vrai que c'était inapproprié ce jour-là. Donc, surtout pour des questions. Mais il savait pertinemment que c'était très important. Et il s'est organisé pour pouvoir avoir d'une part sa majorité sur cette affaire-là, son quorum à Désirade, et deuxièmement, avoir sa majorité pour pouvoir voter de pouvoir voter cette augmentation d'impôts. Donc nous étions absolument contre. Et dès le 15 janvier, nous l'avons entendu dire que nous ne sommes pas intervenus, c'est quand les personnes ont reçu leur feuille d'impôt. Ça, c'est faux. C'est faux. Depuis le 13 janvier, nous sommes vent debout contre cette affaire-là. D'accord ? Nous sommes allés très loin. Personnellement, nous avons créé une association pour pouvoir justement dénoncer cette affaire-là. Et nous sommes passés de quartier en quartier pour dire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était difficile parce que lui, il passait derrière en disant que ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument on pas parle vrai. Du territoire Gosier. Tout à fait. Je n'ai pas augmenté les impôts du Gosier. Mais les Gosériens font partie de la Calais, visiblement. Et de plein fouet, nous l'avons reçu parce que le Gosier a été les premiers à réagir. Les premiers à réagir, c'est pour cette raison que le collectif est parti d'abord du Gosier, parce qu'ils ont été les premiers à recevoir cet impôt-là, de recevoir leur feuille d'impôt. Et donc, mais aujourd'hui, ça s'étend, ça a fait tache d'huile sur l'ensemble des communes de la CAL, et ce collectif s'est créé. Maintenant, il y a une association, et c'est vrai que nous, à l'UME, nous soutenons cette revendication parce qu'elle est légitime. Elle est légitime. Il faut que M. Cornet trouve les voies et moyens juridiques, administratifs, pour pouvoir donner satisfaction à ces revendications. Parce que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez mesuré, si vous avez évalué les montants que payent les personnes. Des personnes qui ont des petites retraites de 450, de 150, de 500 euros, qui sont obligées de payer 1 500 euros. Des entreprises
qui viennent de subir de plein fouet cette crise sociale, cette crise, pardon, cette crise sanitaire, cette crise économique, cette crise sociale, en fait, cette crise en général, ces crises en général, qui aujourd'hui se voient taxées de plus de 6 000 euros cette année. Non, mais c'est un vrai scandale. Et quand nous disons que c'est scélérat, c'est vraiment scélérat. Et je vais rajouter que Saint-François, les contribuables de Saint-François auront la double peine. Parce qu'ils auront une augmentation communale plus l'augmentation de la CARL. Donc quand les contribuables vont recevoir leur feuille d'impôt début janvier, alors là, ce sera le mécontentement, ce sera généralisé. Et c'est là aussi que nous dénonçons les compétences de M. Corbière, notamment sur ce sujet-là. Parce qu'il a voulu nous faire voter, il y a le 2 décembre, le pacte fiscal, le pacte financier et fiscal. Et je dis que ça fait quand même 18 ans que M. Corbière est dans la politique. Donc, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Jeune. Il est ni c'était jeune. C'était 2010, non? Ah non, 2003, je crois. Ah ben, plus, ah ben, tu vois, plus de 2010 au régional. Voilà, voilà, d'accord. Mais ce monsieur n'a rien appris et rien retenu de tous ces passages dans les conseils communautaires, parce qu'il était conseiller communautaire, conseiller municipal. Est-ce que je peux en parler, ouais. Cher collègue, excuse-moi de t'interrompre. Effectivement, il faut savoir quelque chose, c'est que M. Corbière a été conseiller communautaire de 2014... aux dernières élections 2020. Alors, effectivement, quand on dit qu'il n'y avait pas d'opposition au Conseil communautaire, non, c'est vrai, hein, il n'y avait qu'une seule opposition, c'était lui. Et son opposition était assez rigolote, je peux le dire, parce que pendant 4 ans, il n'est pas venu. Il n'a pas assisté à un conseil communautaire, ni même à une seule commission pendant 4 ans. Il a dit avoir été écarté à ce moment-là. Il n'a pas été écarté. Ce n'est pas une question d'être écarté. C'est que personne ne peut interdire à un conseiller communautaire de venir. Il s'est écarté pour ses problèmes. Et je suis désolée. Alors ça, c'est encore une autre manipulation. Mais on reviendra dessus plus tard. Ah non, donc, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, attendez, je finis. Monsieur Corbière, en 2019, revient. Donc, il assiste à quelques conseils communautaires, mais très spéciaux. Donc, il arrivait, il y avait l'appel, donc il était présent. Il prenait son téléphone, il se filmait. Oui, je suis là pour vous représenter. Voilà, il attaquait Dupont, bille en tête sur une affaire communale, rien à voir avec le conseil communautaire. Une fois qu'il avait fini son attaque filmée contre Dupont, qui passait sur ses réseaux sociaux, donc c'est vérifiable, il quittait le conseil communautaire et nous travaillons. Donc, ben il oui, faut savoir, c'est, quand je dis que c'est un manipulateur, et cette manipulation même, d'ailleurs, il est revenu au Conseil communautaire en disant qu'il était innocent. Moi, je rappelle quand même que nous avons fait un délinquant sexuel qui a été condamné en appel, donc en deuxième instance, que n'importe qui peut trouver, évidemment, la date, la référence. On n'est pas dans des fake news, là. Donc, ça veut dire aussi que... Il a réussi à retourner l'opinion en disant « oui, c'est un complot, oui, c'est pas vrai ». Et surtout, à chaque fois, il est revenu en nous disant « c'est bon, je suis innocenté ». Mais il n'a jamais été innocenté, il a été condamné, c'est un délinquant sexuel. Et ça pose aussi qui problème. Qui a été mis quand même à la tête de la commune par la population. Il n'était pas inéligible et il a réussi. Et c'est pour ça, moi, je dis qu'il est dangereux, qu'il faut qu'il parte. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il parte. Parce qu'il manipule tellement qu'il a réussi à convaincre des gosiériens qui me disent, mais Valérie, si ça se trouve, c'est pas vrai, c'est pas un vrai jugement. Ben, il nous a tellement dit, les gens sont perdus. Les gens sont perdus sur cette affaire. Mais les gens ne sont quand même pas dus par ce point pour... les gosiériens ne sont quand même pas dus. Il est manipulateur. Ils ne sont pas... Quand Cédric Cornet vient vous voir, Madame Boissel, les yeux dans les yeux, en te disant, écoute, je te promets, Evelyne, c'est faux, j'ai rien fait. Et moi, je suis sûre qu'il arrive à vous convaincre. Il arrive à convaincre n'importe qui. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. En tout cas, moi, ce que je dis, hein, et c'est pour cette raison que nous insistons et que nous allons insister, de toute façon, de plus en plus, pour que M. Corbière ne soit plus président de la CARL. Ça, c'est clair et net. Il a dit qu'il ne démissionnera pas. Mais non, mais il lit les lois qu'il veut. Parce qu'effectivement, en général, c'est vrai que la loi protège la démocratie, elle protège les institutions, c'est normal. Mais la loi aussi a des dispositions pour pouvoir mettre hors d'état de nuire exactement toutes ces personnes qui sont en délicatesse avec les chiffres, avec les... Donc, c'est vrai qu'il peut rester président. Mais c'est vrai que nous sommes décidés à ce qu'il ne le reste pas. Est-ce qu'il parte? En quoi faisant et en mettant en place. Alors, nous avons eu une première étape
qui est de demander donc le retrait des délibérations. Je précise les délégations du président et du bureau. Et du bureau, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le bureau est quand même aussi complice de tout ça, de tout ce que nous dénonçons aujourd'hui. En tout cas, les 14 qui restent avec lui. D'accord ? Parce que depuis, il y en a qui nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, nous demandons, nous avons déjà bloqué le budget supplémentaire. Ça, c'est un acte politique aussi. Deuxième étape, nous demandons le retrait des délégations du président et du bureau. Et ensuite, nous demanderons au préfet, parce qu'il y aura forcément une situation de blocage. Donc, soit il est d'accord, ils seront coupables de ce blocage. Il est d'accord pour être président sans délégation. Ben, s'il est d'accord pour être président sans délégation, ça c'est son problème. Mais nous ne voulons pas de Cornet comme président. Cornet aujourd'hui, Monsieur Cornet, lui, il traitait Monsieur Baptiste d'enfant gâté. Nous le respectons. Parce que nous ne sommes pas dans un combat d'homme à homme, d'accord ? Monsieur Cornet, aujourd'hui, de par son incompétence, met en danger la CARL. Et nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la CARL puisse retrouver son fonctionnement, que la CARL puisse marcher sur ses deux pieds, parce qu'aujourd'hui, la CARL marche sur sa tête. Et que nous puissions avoir... À l'envers. Ce que nous voulons, c'est retrouver la sérénité au sein de la CARL. Et cette sérénité ne sera possible à l'intérieur et à l'extérieur de la CARL. Parce que nous voyons avec le collectif ce que ça donne. Il n'écoute pas, il n'entend pas, il ne reçoit pas. Et c'est comme ça qu'on est. D'accord ? Donc si nous voulons effectivement retrouver notre sérénité, remettre la CARL sur ses deux pieds et fonctionner correctement, la seule solution, et nous le disons très clairement, très, très clairement ce soir, il faut que, comme M. Cornet, parte de la présidence. Il ne va pas partir. Il a déjà dit qu'il ne va pas partir. Il partira d'une façon ou d'une autre. Dans la légalité. Mais nous allons nous donner les moyens juridico-administratifs pour qu'il ne soit plus président de la CARL. C'est clair et net. Et qu'il ne puisse plus dilapider de l'argent et nuire à l'image même de la CARL. Donc, pour vous, il n'y a pas d'autre solution, une manière de discuter avec lui. Nous avons déjà déclaré antidémocratique, incompétent, dilapidation de l'argent public. Falsificateur de documents. Menteur. On ne peut pas. Délinquant sexuel. On ne peut plus garder. Un tel individu à la tête de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Nous ne le faisons pas pour nous. Alors, il est en train de dire oui partout qu'on veut sa place. On ne veut pas la place de M. Cornet, d'accord ? Déjà, il aurait fallu qu'il ait occupé la place. Parce que jusqu'à maintenant, il a jamais endossé son costume de président. D'accord ? Tenter qu'il ait occupé la place, mais nous ne voulons pas de sa place. Nous voulons tout simplement qu'il ne soit plus président de la CARL. Et puis, je crois qu'on peut rajouter, Jocelyne, et moi, je tiens à le dire, et aussi pour ceux qui nous écoutent, personne ne pourra nous dire qu'on a été complice. Voilà. Et moi, je suis une citoyenne engagée en politique. Je suis pas une grande femme politique. Je suis une citoyenne engagée en politique. Mais je veux que ce soit dans l'honnêteté, dans la transparence. Et je ne veux pas être complice de magouille. Je ne veux pas être complice de la dilapidation de l'argent public. Je veux pouvoir regarder les gens en face, mes propres enfants. Ma famille, je veux qu'elle puisse me regarder, donc t'as été droite. Donc moi et les 22, nous ne serons pas complices. Sans ça, on peut aussi aller en prison, hein, dans l'absolu. On peut être aussi jugé. Hein. Donc s'il y a des gens qui veulent prendre le risque. Mais moi, je dis bien aux citoyens, aux citoyennes qui nous regardent, il faut absolument mettre un frein, mettre un stop à cette gabegie, à cette cavalerie budgétaire, à ce grand manipulateur. C'est dans l'intérêt des citoyens, des habitants et des habitantes de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade. Et nous, les 22, nous ne serons pas complices. Alors, au stade où nous en sommes, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, qui va trancher dans tout cela ? Alors, il y a plusieurs, le qui va trancher, il y a plusieurs cas de figure. Donc, son retrait des délégations, déjà, c'est un petit peu une urgence, le retrait des délégations. Ce n'est pas un but en soi, mais il y a une urgence, parce qu'une fois qu'il n'a plus de délégation, il ne peut pas dilapider l'argent, il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Après, la deuxième étape, on va la voir, mais nous sommes en train de saisir... à la fois le préfet pour les problématiques antidémocratiques et de fonctionnement du Conseil communautaire, à la fois le procureur de la République et la CRC pour les problèmes budgétaires.
Et donc, à un moment donné, d'autres acteurs auront à intervenir. Il existe plusieurs cas de figure, dont la révocation, par ailleurs. Mais ça, ce ne sont pas les élus communautaires qui décident de la révocation. Ce ne sont pas les élus communautaires qui décident de placer le budget sous le contrôle de la CRC. Ce sont les instances qui sont dédiées à ce type d'opération. Donc, vous dites vouloir aller jusqu'au bout. Absolument. Vous ne voulez plus de Cédric Cornet en tant que président de la CAR. On a bien compris. Pour justifier notre position aujourd'hui. Nous voulons récupérer la CARL, enfin, je dis récupérer la CARL, la remettre en bon état, donner une direction à la CARL, un projet à la CARL. Vous imaginez, un an et demi, nous n'avons toujours pas de projet de territoire à la CARL. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Merci. Et le mot de la fin. Et que la CARL retrouve sa sérénité et surtout que les agents puissent travailler correctement et en toute quiétude à la CARL. D'accord. Parce que une pensée, les agents seront quand même payés pour ce mois. Mais bien sûr, il faut quand même ça. Ils seront payés tout le temps. Il faut saluer le travail des administratifs de la CARL. Et des, que, agents de et des agents qui font un travail extraordinaire. Formidable. Et donc, quand ils viennent nous dire que, voilà, qu'on ne les aime pas et qu'on les traite de menteurs, de voleurs, ce n'est pas vrai. Nous respectons les agents et je leur dis que nous respectons leur travail et qu'ils font un travail formidable. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous suivrons de près cette affaire. Nous aurons certainement à y revenir l'année prochaine, voir un petit peu les avancées de tout ça. Et peut-être que les citoyens de Saint-François auront reçu leur feuille d'imposition. En tout cas, merci à tous. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis, excellente soirée et à bientôt, puisque demain, il n'y aura pas d'émission politique et certainement, ça sera place aux fêtes, donc au chanter Noël. Et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon réveillon. Amusez-vous, mais surtout faites très attention à vous. Excellente soirée.